Bonjour tout le monde, c'est Damien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour des petites attaques sur des bases maxées. Donc les bases maxées, ça sera des bases, excusez-moi, de niveau max, donc avec toutes les défenses maxées, les petits murs bleus qui vont bien, et puis évidemment les héros 40, et puis un petit château de clan qui fait bien plaisir. Voilà donc les pires bases qu'on puisse trouver dans n'importe quelle ligue. Donc évidemment, voilà, ici ça va être en champion, donc je suis en champion 1 à... Je suis à 2 trophées, il manque plus que 2 trophées et je passe la barre des 4000. Donc voilà, c'est un petit rush assez sympathique avec Hôtel de Ville d'Or. Tout simplement parce que les défenses qu'on se prend, c'est du moins 1, moins 2 des fois. Puis après, il y en a qui profitent, voilà, qui tombent du moins 9 quand ils sont à peu près dans la même ligue que nous. Donc là, moins 10, j'ai vraiment pas eu de chance sur ces deux attaques-là. Après, voilà, il y en a qui tentent des trucs, je sais pas pourquoi. Enfin voilà. Tiens, je suis un membre du clan Arduna 2. Voilà, sinon c'est que des moins 1, donc ça permet vraiment d'être vraiment plus posé, on va dire, au niveau du rush en lui-même, tout simplement parce que la montée en trophée se fait facilement. Un moins 1, très clairement, c'est rien, puis en plus vous ne perdez pas de ressources, vous ne perdez pas de troupes de château clan, vous ne devez pas attendre qu'il soit rempli votre château clan, vous ne devez surtout pas attendre, vous n'êtes pas obligé d'attendre que vos héros soient full lui, et il n'y a rien à gémer, vous avez juste peut-être, après si vous voulez gémer vos casernes, vos héros peut-être, et puis vos sorts, bien sûr, vous le faites, hein, y a pas de problème. En tout cas, voilà, ça fait vraiment un rush très posé. Vraiment, vous farmez, mais en haut trophée, quoi. Et donc, du coup, après, en attaque, vous devez compenser. Donc, on tombe des fois sur des villages, des HDV dehors, comme vous pouvez le voir. Mais après, je dois vous avouer que pour l'instant, quand on fait des recherches, on tombe que sur des 1 trophée. Et des fois, on tombe sur des mecs qui sont à peu près à la même hauteur que nous. Vous voyez que ceux où j'ai piqué en 21 trophées. Et ici, 13 trophées sont à peu près comme moi, ou sinon, généralement, c'est des mecs, vous voyez, où j'ai piqué un trophée, le mec est à 500 trophées en dessous, quoi. Donc voilà, sinon j'attaque à peu près des gens qui sont donc vers 3700 à 4000. Donc voilà, c'est vraiment les gens qu'on retrouve dans l'attaque log, donc dans le bulletin d'attaque d'un champion, tout simplement parce que c'est eux qui vous permettent vraiment de monter. On va regarder tout simplement un premier replay, donc sur une base maxée. Donc voilà, c'était une base totalement maxée aussi. Et petit héros 40, donc voilà, c'est ma composition avec 4 sorts de saut. Ça permet vraiment de fluidifier l'attaque, c'est vraiment super. Après, bien sûr, le truc, voilà, donc vous avez des sorciers comme ça dans le coin, vous attaquez de coin forcément, hein. C'est vraiment le mieux. Et après, vous foncez vers le centre comme ça avec votre autre golem. Et puis j'ai mis 4 géants, comme ça, ça me permet de mettre que 4 golems en fabrication et donc un dans le château clan. Donc voilà, en fait, ça détruit le tour et ça force le dernier golem à aller au centre avec les héros, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ce qui est très pratique, c'est vraiment que les golems occupent vraiment toutes les défenses. Après, le sort de poison, bon, je l'ai mis là pour vraiment sécuriser ce coin-là et que les sorciers ne s'embêtent pas trop avec les petits trucs de lave, les petits roquets, il me semble. Et donc là, voilà, on a quand même un sacré nombre de golems au centre. On a peut-être l'héros 40, mais on s'en fout parce qu'il y a les sorciers qui tapent. La reine qui tape l'hôtel de ville, donc c'est souvent la reine qui détruit l'hôtel de ville dans ce genre d'attaque. Donc après, avec de la chance ou pas, mais vraiment, c'est adapté pour tous les villages, cette composition aux champions. Donc vraiment, c'est une composition qu'on pourrait qualifier d'imbattable parce qu'à part mal s'y prendre ou se rater dans l'ordre, c'est vraiment très dur de rater ce genre d'attaque. Après, là, il était quand même bien plein en ressources, ce mec. Et voilà, bon après les troupes se font attaquer un petit peu de partout, on a chopé les 2 étoiles, c'est vraiment le principal. Après je me suis dit que j'allais quand même essayer de taper un petit peu de ressources, hein. Ça fera toujours du bien de faire un ou deux petits murs. Bon après, de là à les avoir tous bleus bien sûr, ça va être un petit peu long. Donc là on laisse encaisser la reine le plus de temps possible. Dès qu'elle va commencer à taper le canon, on va mettre le petit pouvoir, voilà. Après dommage pour la bombe géante, vous allez voir, qui a fait très très mal quand même. Mais après voilà, on est quand même sur un 62%, donc là voilà, on est quand même déjà à 65%. Ça fait vraiment très très mal cette composition, simplement parce que la résistance des golems fait que du coup vous allez vraiment loin dans la base. Et après on va tout simplement le voir, donc il me proposait quand même 32 trophées au départ celui-ci, hein. Donc vraiment je n'ai pas hésité, maintenant je n'hésite plus à partir de 17 trophées, c'est environ 17, après c'est 15, et le matin des fois quand j'ai pas trop le temps c'est 10 trophées. En tout cas c'est toujours bénéfique puisqu'on tombe pratiquement tout le temps sur des bases qui ont un trophée, et en défense on a tout le temps moins 1, donc c'est vraiment pas très utile d'attaquer ce genre de base. Présente-toi s'il te plaît, pas sûr que t'aies le niveau Damien, d'accord, je suis désolé. Bon, du coup je vais vous montrer tout simplement une autre attaque, donc sur un petit village maxé. Et donc voilà, c'est le village que tout le monde déteste,
Voilà, donc après ça a failli mal partir, mais même quand ça part mal avec la composition, c'est très bien, ça marche quand même. Donc là en fait, parce que le sort de saut, le premier, j'aurais dû le mettre de l'autre côté sur la tour d'archer pour vraiment briser cet anneau de défense qui a été vraiment très très gênant là-dessus. Mais bon, après je m'y suis attaqué un petit peu plus de front là pour créer une assez grosse destruction dès le départ. Après j'ai envoyé sort de saut au centre et puis sort de saut voilà, donc au milieu. J'ai envoyé le petit golem qui n'a pas fait le con non plus, hein, mais voilà. Malheureusement, ça n'a pas été assez rapide sur la destruction des autres structures défensives. Et là, donc, on envoie les deux héros. En tout cas, voilà, donc le roi qui peut servir de golem, ça très clairement, c'est vraiment pas gênant. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs dans l'autre attaque, j'ai oublié de mettre le pouvoir de mon roi. Après on attaque toujours s'il y a une tour de l'enfer en mode multi, donc je vous l'ai déjà dit, si on attaque en mode, enfin s'il y a une multi et une solo, vous attaquez du côté de la multi, simplement parce que vos golems vont rester, bon après vos sorciers seront détruits, mais dans le fond c'est pas si grave, parce que voilà il y a les golemites, il y a vraiment de quoi occuper. Alors regardez, il y en a un autre qui a fait le tour là-haut, et puis là la reine qui s'occupe de l'hôtel de ville, donc vous pouvez re-regarder le petit replay de la vidéo. Donc voilà, on pique quand même un assez gros pourcentage, déjà 42%, et on va enclencher le pouvoir de la reine pour finir l'hôtel de ville. Et donc là, on est sûr du 50%. Hein. Voilà, donc on va détruire la dernière défense là. On se rapproche, bon après, il y a le golem ennemi, c'est toujours pénible. Mais dans un sens, ça, c'est moins chiant que d'avoir des valkyries ou un dragon. Parce qu'un valkyrie et un dragon, ou alors un molosse, ça fait vraiment très très mal au niveau des défenses. Donc, je vois pas pourquoi défendre avec ça. Et donc là on a deux étoiles, je vais choper un petit pourcentage supplémentaire et puis un petit peu d'élixir, ça fait toujours du bien. Et voilà, donc je pense que j'avais arrêté là, voilà, j'avais arrêté avant, ça servait à rien. Et on a quand même 12 trophées, et je peux vous dire qu'en champion 1, 12 trophées c'est pas rien. Et donc du coup avant, comme vous avez pu le voir, j'ai chopé 21 trophées, c'est génial. Bon, après je dois vous avouer qu'on est environ après dans les 20 minutes de recherche. 15 à jusqu'à 30 minutes et des fois 45 minutes, j'ai fait 45 minutes et j'ai craqué sur un 5 trophées parce que enfin, voilà, faut pas jouer avec les nerfs, je suis désolé, mais là Supercell sur ce côté là abuse, même si c'est leur système un petit peu de, enfin voilà, c'est leur système à eux, et parce que ici en hauteur soit on est connecté ou soit on a déjà un bouclier à cause du enfin grâce au, à l'HDV d'or. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu, petite présentation que j'espère assez sympathique sur une composition, donc la composition vous pouvez la voir, on va la voir simplement ici, ce sera plus simple. Où est-ce qu'elle est, voilà, donc ici on la voit bien, 4 golems tout d'abord que vous fabriquez vous-même, 24 petits sorciers, 4 géants, donc ça vraiment c'est pour remplacer, on va dire, le 6ème golem qui pourrait être là, mais après vraiment c'est vraiment pas gênant parce que voilà, il y a pas, on fait pas souvent face au tour de l'enfer en mode solo. Ensuite, 4 archers pour finir des pourcentages. Bon, vos héros, bien sûr. 4 sorts de saut, un sort de gel, un sort de rage et puis un sort de poison. Et dans vos châteaux de clan, vous demandez un sorcier, un archer et puis un petit golem. Donc, ça vous octroiera tout ça un petit peu la victoire. Donc, vous voyez quand même les pourcentages, voilà, c'est pas. Là, j'ai failli me fail sur le 39%. C'était vraiment les villages très compliqués. Je sais pas, on va rendre visite. Je sais pas si vous voyez, vraiment, je faisais des tests, voilà, des villages comme ça. Donc après quand vous rentrez dedans c'est très dur de faire la deuxième étoile, simplement parce que regardez les bâtiments sont très éloignés là, on peut pas les choper, il faudrait juste la reine des archers, mais voilà, on va pas gaspiller la reine pour ça. Et donc voilà, j'avais attaqué de ce côté là, du côté du camp militaire, avec mes sorts de saut et tout, c'était un peu le bordel, mais j'ai réussi forcément à choper l'hôtel de ville. Donc là dessus franchement très positif d'avoir gagné. Bon après voilà, j'ai pas fait de fail depuis assez longtemps, ce qui me permet d'être voilà pratiquement à 4000 trophées. My League 13, pardon, excusez-moi, je sais pas. Et vous voyez que je suis qu'à 24 attaques gagnées. Bon, il y en a 72, il y en a 11. Mais en général, je suis quand même dans la moyenne. Voilà. Il y a des 52, il y a des gens voilà, qui sont vraiment à beaucoup plus. Et voilà. Et puis surtout, là, attendez. Héros 30, ah, d'accord. Bah, généralement, c'est que des héros 40 pratiquement qui tournent ici. Voilà, héros 38, 40. Avec des bases max, donc vraiment voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu, que du coup vous saurez un petit peu comment vous attaquer justement à ces bases qui sont très complexes et très difficiles, tout simplement grâce à la résistance des golems. Donc j'ai fait, ou je ferai une autre vidéo là dessus, donc sur comment détruire un village avec des héros 40. Ici vraiment c'était juste pour le plaisir de vous présenter une petite composition assez sympathique avec
les petits héros. Les petits héros max et surtout le village max qui peut faire peur, on va dire. Hop hop hop, avant de se quitter. Donc, je voulais juste faire un petit bonus, on va dire. Donc voilà, je suis viens de passer à 4000 trophées avec cette attaque-ci. Donc jusqu'à l'Isée à la suite, hein, j'ai trouvé un hôtel de ville dehors aussi. Et donc voilà, encore une base maxée. Bon, vous m'excuserez ces derniers murs là qui ne sont pas maxés. Bon, en tout cas, voilà, c'est à peu près pareil. On a des héros 40, un gros château de clan, bien sûr. Je crois que c'était aussi un golem d'ailleurs. Mais voilà, ça s'est très bien passé. On attaque du côté de la tour de l'enfer. Chien dehors. On attaque du côté de la tour de l'enfer en mode multi avec un sort de saut ici et un sort de saut ici pour vraiment détruire toutes les défenses et vraiment casser l'anneau défensif qui ici ça a été très très bien réussi. Donc voilà, on a un golem qui a fait le tour, vraiment très bien là-dessus aussi. Il faut vraiment que c'est bien aussi que les golems fassent le tour pour avoir le 50%. J'ai attaqué de ce côté même si c'est pas forcément la meilleure idée à faire, simplement parce que... D'ailleurs j'ai eu de la chance que mes sorciers ne meurent pas et que ce soit le côté. Simplement parce que justement il y a 4 rangées de murs ici et donc du coup la reine ne peut pas taper l'hôtel de ville et préférera tourner en choisissant d'autres cibles. Donc ici heureusement que j'avais des sorciers qui me. Enfin, vraiment qu'il me restait des sorciers. Ça m'a vraiment beaucoup servi parce que la reine a quand même fait le tour, vous voyez. Elle ne s'est pas occupée de l'hôtel de ville. Donc du coup les sorciers l'ont fait à sa place. Mais sinon ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Donc du coup après quand il reste plus que la tour d'enfer en mode solo. Il faut essayer d'enclencher le pouvoir de son roi assez rapidement, sinon il se fera vite détruire tout simplement parce que le roi occupera du coup la tour de l'enfer avec ses petits barbares donc qu'il déploie. Et on arrive vers la fin de l'attaque, donc je vais accélérer un petit peu. On a fait un très très gros pourcentage, c'est pour ça que je vous déconseille ces bases, parce que quand vous tombez sur quelqu'un qui, on va dire, sait l'attaquer, ça peut être très destructeur pour vous. Parce que vous perdrez beaucoup de ressources, parce que vu que ça n'est pas très compartimenté, mais sinon ça reste quand même une assez bonne base dans l'ensemble par rapport au niveau des défaites et des victoires. Donc voilà, on se retrouve sur la suite. Et donc là on a Hamza Benz donc qui s'attaque avec une composition golem, sorcière, sorcier, petit hog rider. Donc là voilà, bon, ça désamorce les pièges, ça qui est cool. Mais en tout cas, voilà, j'aurais vraiment pas utilisé le pouvoir de la reine pour ça, hein, très, très clairement, voilà. La bombe géante, il a eu de la chance d'ailleurs. Sort de saut très mal mis, donc là voilà, le sort de saut, vous avez juste à le poser sur la structure, donc là, sur l'anti-aérien, et ça vous téléporte vos troupes au centre, voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre plus. Ça passe vraiment très très simplement avec un seul sort de saut, donc ça, c'est un petit peu du gaspillage, parce qu'il aurait pu servir après pour la fluidité, sachant que cette base, voilà, vous... très très compartimenté, on va dire, vers le centre. Du coup voilà, les golems sont bloqués, ils vont frapper un peu n'importe comment et il ne gagnera pas, voilà, ils sont un petit peu déstabilisés d'ailleurs, ils ont rien à détruire. Donc là voilà, les sorcières vont peut-être mourir avant que les golems se ramènent. Voilà, elles sont trois quand même, ça tient bien. Allez, voilà, les sorcières qui meurent, voilà, elles vont mourir, c'est très dommage, sachant que c'est pas, voilà, c'est pas facile non plus. Et voilà, donc là, toute seule face à un canon, bon, il y a de la chance que le canon regarde ailleurs. Mais c'est dommage. Bon, c'est le tank qui a mal géré. Il dit gogo de merde. Ah. Hamza Benz, tu devrais tout simplement mettre mieux tes sorts de saut. Regarde ma petite vidéo sur les sorts de saut. Enfin, voilà. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, je le redis. Et là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Vous pourrez entendre le bisou, bien sûr. Et on se revoit sur une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit orteil bleu qui pue, ça me ferait vraiment plaisir, allez à plus, bisous tout le monde.